j'avais déjà conçu cette maison dans ma tête quand j'étais dans le camp de prisonniers de guerre. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je crois pas que j'aurais gardé ma santé mentale sans ça. Ça va, mon garçon? Ça va, monsieur? Bonjour, c'est l'hôpital qui m'envoie pour un check-up de monsieur Lockhart. Je peux entrer? Qui est cette femme? Je me suis spécialisée dans la santé mentale. Vous vous souvenez de moi, monsieur Lockhart? Sûrement pas, on s'est jamais vus, nous deux. Dites-le-moi, étape par étape. Commencez en disant comment vous vous levez de la chaise. Une infirmière à la maison, c'est bien? Ouais, ça se discute. Elle dort avec vous? Elle me tient chaud aux pieds. Non. Cette chatte ici, ce n'est pas prudent. Va falloir que je les garde avec moi. Vous m'enfermez dedans? Voyons, c'est pour votre propre sécurité. Je ne reçois pas d'ordre de vous. Je suis chez moi ici, c'est ma maison! Regardez, c'est lui là, à droite. Vous avez vu beaucoup de combats? Ouais. J'en ai des souvenirs horribles. Je commence à penser que c'est une fille étrange. Vous avez peur de moi, George? George. Commençons. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal ni de te tuer.